Salut tout le monde, c'est Amel de Géant, on se retrouve pour l'épisode 13 de Super Mario 3D Land. Et on va se lancer dans le monde 5. Voilà, un monde un petit peu désertique, en marron. Hein, on change du jaune, maintenant c'est du marron. Et on est parti tout de suite. Alors, par contre, je n'ai plus de costume de Tanuki, donc on va essayer de faire sans. D'autant plus que ici, ça va être un peu chaud de faire sans. Bon, on verra ce que ça donne. Voilà. Ok. Passer par là, donc eux je ne vais pas les péter évidemment parce que ce sont des fantômes. Ok, ok, super. Et là on va se laisser tomber pour récupérer les pièces. Ouh, ça pique. Alors est-ce qu'il y a du power up ici? Oui, parfait mon ami. Alors attendez, ah, je suis un petit peu dans le caca là. Ah ah, tu ne m'auras pas. Alors la pièce elle est juste ici. Voilà, super. Donc on a eu la première pièce. Tranquillement, et on va se diriger vers la boîte. Voilà. C'est cool qu'on ait pu avoir un costume Tanuki, je savais plus qu'il y en avait un ici. Clac. Oh là ça craint. Oh là ça craint. Oh bah tant pis, on s'est fait avoir. On a plus le costume de Tanuki hein. Par ici on a la deuxième pièce. Voilà. On va avancer par ici. Alors, est-ce que je peux aller? Voilà, je peux y aller en diagonale comme ça. Voilà, génial. Oh, doucement. Voilà. On descend ici. On va sauter ici. Allez, on prend la pièce. Voilà, génial. Et on va se diriger vers la fin. Et vers la fin, bah, ça va être un peu chaud là. Allez. Ah, voilà, super. On a eu le haut du mât, c'est cool. Drapeau doré, les trois pièces étoiles. Yes. Bon, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire dans cet épisode. On va juste se contenter de rusher les niveaux. Enfin, rusher. Les terminer à 100%, ce serait bien. Ça m'embête un peu de pas avoir le costume Tanuki, mais bon, on va faire 100, comme on a dit en début de partie. Avec, c'est mieux. Enfin, c'est plus facile. Oh, ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas. Bon, bah écoutez. On va faire avec, encore une fois. Hein. Bon, à mon avis, il y a un truc là. Oh, il y a des pièces quoi. Chier. C'est pas terrible. Aïe. Ouh, ça pique. On prend le power up. Ouh, j'ai eu chaud là. Ah. Va-t'en. Saloperie. On passe par là. On saute. On saute. Ok, il a disparu. Il va réapparaître de toute façon. Hein. Checkpoint. C'est good. Ah là bah ça je m'y attendais de toute façon. Sans le costume de Tanuki, je peux pas vraiment me déplacer comme j'avais l'habitude de me déplacer. Donc tant pis hein. Normalement il devrait y avoir d'autres power-up par là. Power-up là. Alors attendez. Oui. Est-ce que je peux le péter avec ma fleur? J'ai pas l'impression. On va faire 100. Yep. Là, vas-y, récupère la pièce. Oh là 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 là, oh là 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 là, c'est chaud. Et voilà, bah ça je m'y attendais. C'est pas grave. Tac, tac. On a eu les trois pièces au moins, ça c'est bon. Ouh, tendu hein. Tendu, tendu. Alors là par contre pour avoir le haut du mât, ça va être chiant. Voilà, non, c'est pas chiant finalement, c'était plutôt assez simple. Encore une fois. Mais bon. En espérant qu'à l'épisode 5-3, on récupère un costume de Tanuki et qu'on le garde cette fois. Parce que bon, c'est bien joli d'essayer de skiller, mais bon. J'évite au maximum de faire du fail, malgré qu'à l'épisode précédent, il y a eu pas mal de fails. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout faire à la perfection non plus. Ok, alors ce niveau-là, il est un peu chiant. Oh, puis cette musique-là, même si je l'aime pas trop, elle reste dans la tête. Vas-y. Voilà, génial. Donc on va se diriger vers la gauche. Vers la gauche ici, on a une boîte. On récupère la pièce. Et là-dedans, il n'y a que dalle. Allez, le jet d'eau, là. Voilà, super. Oh. Oh. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis tombé. Bon, ça va, je suis pas mort. Une vie. D'accord, c'était juste pour une vie. D'accord, bah j'étais chanceux sur le coup parce que je savais pas qu'il y avait une vie ici. Je viens de la prendre. Normalement, on serait arrivé sur ce chemin-là, on aurait continué. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Là, on est content. On peut planer. Avec le costume Tanuki. Ouais, si tu veux. Non.
pas faire le con non plus, on va rester comme ça. Voilà, tranquillement, on se laisse porter. Tape la boîte quand même. Oh, plus que des pièces, on s'en fiche alors. Clac, clac, voilà, pièce. Par là-bas, nous avons une autre plateforme. On va rester en haut. En mode pierre. Pour pas se faire brûler. Bon, de toute façon, on est passé au bon moment pour pas se faire brûler, alors voilà. Alors ensuite, on va passer d'abord. Il n'y a que dalle ici. Donc on va se laisser descendre, voilà. Et par ici, nous avons la troisième et dernière pièce. On peut avancer. Et tout au bout, il y a la fin du niveau. Et tout ira bien pour le meilleur des mondes. En espérant garder le costume Tanuki. Oh, c'est bon ça. Allez, prends-le, tombe pas s'il te plaît. Voilà, super, au moins. Cool. Ouais, si tu veux. Allez, on y va, là il y a des billes. On se met en Tanuki. Les billes, on ne les craint pas. Si tu veux, voilà, boum, dans ta tête. En espérant que le jet d'eau arrive au bon moment. Oui. Allez. Super. Et voilà, le haut du mât. C'est bon ça. Bon, pour l'instant, pas trop de difficultés malgré le fait que à l'épisode 5-2 j'ai perdu pas mal de power-up. Je suis pas mort, en tout cas c'est une bonne chose. On a pu garder le costume de Tanuki. Et en plus de ça, on en a un dans la boîte. Alors ça c'est génial. Yes. Et on va se lancer dans la boîte mystère. Le 5 mystère. Oh, et j'ai encore de la chance. C'est une boîte avec deux pièces. Ça fait plaisir. Oh. Vas-y, prends les vies là. Prends les vies. Voilà, voilà. Non, il y avait encore une vie là-dedans. Bon, tant pis. Ça, c'est un coup de chance quand même. Parce que, comme je vous l'avais déjà dit, c'est pas souvent qu'on tombe sur ce genre de boîte. Ok. Monde spécial 5-4. Oh, oh, scrolling. Et en plus, le scrolling, il est plutôt rapide, là. Ça, ça pue, hein. Ah, petite musique remixée. Oh, wow, 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 wow. On y va mollo, hein. Bonjour, l'abeille. Voilà, merci de dégager. On va prendre les pièces rouges. Dégage. Voilà, et une vie en plus. Ça, ça fait plaisir. La première pièce étoile. Avec la boîte. Et on va avoir encore le droit à un scrolling, sauf que cette fois-ci c'est un scrolling vertical et plus horizontal. Donc maintenant faut monter sur les biscuits. Qu'est-ce qui me donne faim ce niveau? J'ai envie de manger des biscuits maintenant, ça y est. Bon, j'ai pas de biscuits chez moi, mais tant pis. On mangera ce qu'il y a après cet épisode. Waouh, doucement les bords là. Je me demande si c'est pas des tablettes de chocolat ça. Chocolat blanc. Ok, ok. Allez, allez. Voilà, deuxième pièce étoile, ça c'est bon. Ok, ça c'est good. On va passer par là. Bonjour messieurs. Au revoir messieurs. Non mais tu montes s'il te plaît. Clac, pièce étoile. La dernière. On est bien, on est bon. On est bientôt à la fin du niveau. La boîte elle est ici. Et on arrive. Par contre ici on va se dépêcher. Voilà, on va se dépêcher. Pas obligé mais bon. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Et 190 vies, mine de rien. J'en ai un sacré paquet. J'en ai un sacré paquet. J'ai pas encore le maximum. Mais j'en ai quand même un sacré paquet. Ok. Alors ensuite, on va s'attaquer à la maison fantôme. Le spécial 5-5. Et celui-ci est assez simple. Quand on le connaît, il faut... Vous voyez, on a les trois boîtes, là. Il faut tout le temps prendre la boîte où il y a une pièce. Donc, on va la prendre. Oh, dégagez, s'il vous plaît. On va passer par ici. Voilà. Une boîte avec une pièce, c'est ici. Super. Dégage. Oh, la boîte avec la pièce, c'est celle-là. Ok. Pour l'instant, pas de pièce étoile, hein. C'est normal. Voilà. Je vais quand même vérifier si par là-bas, il n'y en a pas une. Non, c'est bon, c'est pas encore par ici. Dégage. Donc, encore la boîte avec la pièce. Super. Et on a le checkpoint. On va prendre le time. On peut taper ça si on veut, il n'y a qu'une pièce. Bonjour le Goomba, tu vas mourir. Et la première pièce, elle est là. Et il faut tuer les Goombas pour avoir des pièces. Dégage, dégage. Voilà, toi tu meurs. On récupère le time. Oh, boomerang, je sais pas si ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse pas de le prendre.
On les tue, on les tue. Hein. On prend les pièces. Voilà. Pièce. Donc c'est cette boîte là. Super. Et ici on a un Goomba. On le pète. Deuxième pièce étoile. Super. On continue par là-bas. Pièce avec la boîte. On prend donc cette boîte. Super. Encore une fois. Et le dernier Goomba. Dernière pièce étoile. Ok. On peut partir très loin d'ici. Au niveau de cette boîte là. Et on arrive donc à la fin du niveau. Vous voyez. Vraiment. Très simple le niveau quand on le connaît. Parce qu'autant on peut prendre n'importe quelle boîte et puis bah, tourner en rond dans le niveau, autant vous prenez les boîtes avec les pièces devant, juste la pièce, voilà, c'est le petit indice, et bah c'est bon, c'est nickel, vous y allez, pépère. Ok, ensuite on va s'attaquer donc au dernier niveau du spécial 5, le spécial 5 château qui me coûte 180 pièces étoiles. Bon, j'en ai 237, donc pépère, hein. Attends, ça va. Ok. Allez, let's go! Oh, il y a Bowser par ici. 30 secondes. Et donc, je récupère du time en tuant des ennemis. Et donc, on a intérêt à tuer tous les ennemis qu'on trouve. J'ai failli me cramer le derrière. Tout va bien. Bonjour, Goomba. Bonjour, Goomba. On passe. Désolé. Je suis un petit peu pressé par le temps. Je n'ai pas que ça à faire de jouer avec vous. Oh, tu montes là. Donc par ici, nous avons la première pièce étoile. Voilà, on va se laisser planer par là-bas. Ici, nous avons... Wow! Deux Goomba qui me donnent double de time. Tranquillement. Ici, deuxième pièce. Là-bas, Goomba encore. Donne-moi ton temps. Oui. Toi aussi. Merci. Et là, nous avons la dernière pièce, sauf que... Bowser, squelette! Et là, c'est Bowser squelette. Bon, c'est pas très recherché comme nom, mais bon, c'est Bowser squelette, voilà. Alors, on va essayer de pas se faire toucher, ça va être difficile, mais on peut le faire. Bonjour, Bowser squelette. D'accord, je dis on va pas se faire toucher et je me fais toucher. Bien joué. Oui. Oh! Oh, comment il m'a poussé dans la lave! Oh, c'est même pas acceptable de voir ça! C'est pas acceptable du tout! Oh là 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 là! Oh, c'est lamentable de perdre comme ça à la fin! Non, je suis pas d'accord! Non! Non, va pas te faire piquer l'anus non plus, Mario! Et voilà, qu'est-ce que je disais? Ça commence, les bêtises! Ça commence! Non, on va pas mourir! On est pressé par le temps, mais quand même. Oh, je suis dégoûté d'être tombé dans la lave là! Je suis dégoûté! Tant pis! Ok, bon bah on va rester petit pour l'instant, on va garder le costume Tanuki. Bon tant pis pour le Goomba. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Par contre, ça va être chiant de récupérer toutes les pièces étoiles comme ça en petit. Hein. Tombez pas s'il vous plaît. Ok, bah c'est bon. Ok, la boulette de feu a tué un Goomba, ça m'a donné du temps. Pourquoi pas. Oh là là, dommage. Ah mais vas-y. Ah là, super. Vite. Oh. Vous savez quoi? Voilà. Costume Tanuki, on est très bien avec. Faut juste pas se faire avoir. Et cette fois-ci, c'est la bonne. On rigole plus maintenant. On a assez rigolé. Maintenant, on joue sérieusement. On joue notre vie. Ok. Double time, ça c'est bien. Tu bouges. En plus, je commence à avoir le doigt qui glisse. C'est pas très agréable pour jouer. Ok, super. Je l'ai raté la pièce. Wow, doucement. Il y a de la lave en dessous, mon petit. Ok. Clac. On y va. On est bien, on est bon. Super. Deuxième pièce, donc. Vous avez déjà eu, mais c'est pas grave. On les récupère encore. Clac. Le time. Le time. Et... Bowser squelette. Cette fois-ci, on se fait pas avoir parce que là, c'est un petit peu lamentable comme prestation, monsieur. Ok, donc là, on a eu la dernière pièce étoile. On va se diriger par ici. Clac, 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 clac. On passe par là. Ouais, si tu veux, tu peux tourner en rond. Oh non, mais il me retombe dessus, quoi. C'est n'importe quoi.
C'est pas grave. Ne pousse pas. Voilà. Non mais, hé hey, ça va les 5 minutes là. Et du coup, je suis en petit là. Bah, meurs dans la lave. Meurs. Pourtant, c'est quand même plus pratique de passer par là en costume tanuki. Mais bon, allez, sand time, ça, ça fait plaisir. Wouah, wouah. Wow. Faut pas louper le drapeau, hein. Mario, faut pas louper le drapeau, hein. Allez, tu es prêt, Mario? Ah, c'est bon, on l'a eu. Toujours le petit saut en longueur. Pas au pixel près du bord de la plateforme, mais presque. Et on a le drapeau doré. Bon, bah, difficile ce dernier niveau. Je suis quand même bien dégoûté d'avoir perdu en tombant dans la lave. Bowser squelette qui me pousse dans la lave, waouh. Et ben voilà, on va sauvegarder et c'est tout pour cet épisode les amis. Donc j'espère qu'il vous aura plu, je vous donne rendez-vous au prochain. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye.